Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Freaks. Aujourd'hui, on se retrouve. Alors, attendez. Attendez, juste, je regarde juste ce qui est là. Bon, attendez. Bon, excusez-moi les gens. Alors, comme je disais, salut à tous et à tous, c'est Shadow Freaks. Alors, j'ai récemment posté la vidéo sur laquelle je demandais de faire attention aux lapins tueurs. Ce que je dis dans la vidéo, c'est tout à fait la vérité. Et comme j'ai dit, même les plus grands de ce monde pourraient vous dire la même chose. Il suffit juste qu'il y ait un mec qui soit, par exemple, bourré ou que ce soit un psychopathe dans sa tête et qui décide de se déguiser en lapin tueur rien que pour délirer. Et s'il fait un vrai meurtre à ce moment-là, il pourra pas s'en rendre compte. Et du coup, ça peut partir mal. Du coup, ce que je dis dans ma vie, dans cette vidéo-là, ce serait vrai. C'est vrai. Alors, si vous voulez qu'on en discute ou si j'ai traumatisé des gens, dites-le moi dans les commentaires et on essaiera de voir. Voilà. Aujourd'hui, si on est là, c'est sur un Dragon Ball Fusion. Pourquoi? Alors, je vais vous dire. Tout simplement, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré une Dragon Ball. Aujourd'hui, on va partir à la chasse de Dragon Ball. Aujourd'hui, on part à la chasse au Dragon Ball. Et je m'arrêterai à cette vidéo. Putain, on peut vraiment pas baisser le son. Je m'arrêterai que quand j'aurai pu invoquer Shenron. Que quand j'aurai invoqué Shenron, je pourrai arrêter. Je vous rassure, je ferai quelques let's play à la recherche des Dragon Ball. D'ailleurs, je mettrai bien en hashtag 1, hashtag 1 à la recherche des Dragon Ball. Bon, est-ce qu'il y en a au moins une dans cette zone de Dragon Ball? Parce que c'est dans cette zone que j'ai trouvé cette Dragon Ball. Apparemment. On cherche de partout, on sait jamais. Ah, il y a une Dragon Ball, pas loin. Ah, elle est là, c'est bon. J'aurais peut-être dû enlever la musique parce qu'elle est vraiment trop forte là. Bon ben j'espère que vous m'entendez bien. Alors on a déjà trouvé une Dragon Ball, plus que 5 Dragon Ball à trouver. Alors un peu, comme je le dis, dans ce jeu Dragon Ball Fusion qui est composé de 7 dimensions, de 7 failles spatio-temporelles, peut se trouver dans n'importe quelle dimension. C'est pour ça qu'il faut d'abord tous les fouiller de fond en comble. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Essayez de deviner sur quelle série de Dragon Ball j'ai pu trouver ces chansons. Enfin, de quelles sont tirées ces musiques là. J'espère que vous voyez quand même. Désolé si c'est un peu flou. Il faut vous dire que les graphismes sont tellement bien faits que ça devient tellement flou quand tu essaies de les. Putain, mon bouton R qui déconne, mais qui déconne trop. Est-ce qu'il y a une Dragon Ball? Normalement, il devrait y en avoir une dans ce cratère. C'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit pour avoir. Pour y trouver une Dragon Ball. Là, vous voyez? Là, ce serait l'endroit idéal pour trouver une Dragon Ball. Oh,
Tiens, vraiment, les Dragon Ball sont difficiles à trouver. C'est pour ça que je voudrais faire des let's play en votre compagnie. À let's play spécial, trouvons les Dragon Ball, non? J'ai pas envie de... Je voudrais bien faire un let's play sur ce truc. Le problème, c'est que j'ai des... À ce jour, j'ai débloqué plein de trucs et tout ça. Ça me ferait vraiment chier de tout recommencer rien que pour... Ça me ferait... Enfin, vous savez, quand on a débloqué un truc... Vous savez, quand on a figé des trucs, quand on a commencé un truc, au bout d'un moment, vous commencez à avoir des trucs trop sympas, tu vois. Attendez, mon bouton R, il déconne, alors. Vous savez, à force, vous dire, et si vous, et en plus, on peut y faire qu'une seule part, qu'une seule sauvegarde là-dessus. Et quand tu dis, putain, faudrait que je fasse un let's play là-dessus, et quand tu vois, putain, on peut faire qu'une sauvegarde, et quand tu te dis, ouais, par exemple, ouah, putain, j'ai eu Sangoku Super Saiyan Divin Super Saiyan 3, et que tu as aussi Vegeta Super Saiyan Divin Super Saiyan 3, et que tu as réussi à les fusionner, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je fais, j'efface tout, et puis je pourrais te recommencer, parce que sachant que tu pourrais aussi oublier la manip de comment tu as pu les recevoir. C'est pour ça que je dis que ça me ferait chier de refaire ce truc, de refaire le jeu. Même si j'aimerais bien le faire entre en votre compagnie. Et là, c'est tu. Saute. Ah, une Dragon Ball. La la la. Shala. El Shala. Ah, ben, attendez. Où est-ce qu'elle est? Ah bah elle est là. Putain, j'avais pas vu. Shana, El Shana, il y a une autre Dragon Ball pas très loin. Bah je crois qu'on va s'arrêter très tôt sur ce truc. Bah allez, on va, tu sais quoi, on va faire le moonwalk volant. On va faire un moonwalk volant, vous êtes prêts? Alors, où est-ce qu'elle est la Dragon Ball? Je ne trouve pas. Le radar dit qu'il est par là. Le radar s'endrait. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Voilà. Eh ben, dis donc. Bon, ben, plus que 3 Dragon Ball et on a fini. Putain, le bouton R qui déconne trop, quoi. Bon, mais je vous le dis, les mecs, hein, les gens, quand on a trouvé toutes les Dragon Ball et qu'on a réussi à invoquer Shenron, eh ben. Alors, tout ce que j'ai fait en invoquant Shenron, c'était demander des alliés. Je n'ai vraiment jamais vraiment demandé à demander autre chose à Shenron, mis à part des alliés. Alors, je crois qu'on a soit des trucs. Je crois qu'on a, on peut demander à faire une renaissance. D'avoir d'autres vêtements, des alliés, dira beaucoup, nous en dire beaucoup plus sur ce monde. Après, j'ai oublié. Eh, franchement, là, je filme avec ma tablette, les gens. Genre, elle a 19 de batterie, je fais rien que pour ça, là. Non, normalement, je devrais même pas faire de vidéo, tellement j'ai peu de batterie. Bon, est-ce que dans cette zone, dans la faille numéro 3, on va trouver une Dragon Ball?
Je, alors vous, vous pouvez que voir l'image du haut, mais moi je peux fouiller, je fouille l'histoire, le truc bas. Ah, je crois que je sais où il y en a une. C'est le seul endroit généralement où j'ai pu en trouver une. Là-dedans. J'ai une camarade au collège qui s'appelle Pauline. Si tu as pu regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire, dis-moi ce que tu en penses pour que j'essaye de changer un peu. Putain, mais ah, oh, mais bouton R de merde quoi. Je suis en train de perdre du temps alors que bouton R là. Bon, apparemment, il semblerait qu'il n'y ait pas Dragon Ball. Mon radar ne s'affole pas. Bon ben on dirait qu'il n'y a pas Dragon Ball ici. Putain, pourquoi j'... Franchement je me dis je fais vraiment ça pour vous les gens. Mais trouver les Dragon Ball là, les Dragon Ball dans ces 7 failles spatio-temporelles, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin quoi. C'est tellement petit et c'est peu présent. Parce qu'en fait, je crois que c'est un ordre pour trouver. Je crois qu'en fait, c'est un espèce d'ordre. Parce que la Dragon Ball que j'ai trouvée, les autres, j'arrivais pas à les trouver. Alors que je fouillais de fond en comble. Ça... Non, non, mais... Putain, bouton R de merde, quoi. Oh, bon, mais ça me fait ça. Ishimori. Bon ben les gens, alors là j'en suis à 14 de batterie. Non, c'est... j'en sors. On va aller là. Franchement les gens, si on va continuer jusqu'à 7% de batterie, si je trouve pas les Dragon Ball à ce moment là, et ben... Je ferai une deuxième partie qui sera beaucoup plus courte et bien sûr je ferai 2-3 combats. Bon déjà est-ce qu'il y en a une ici? Putain, il y a un mec qui vient. Casse-toi Trouduc. Casse-toi, casse-toi, il est derrière. Vas-y, retourne dans ton putain de coin là. Casse-toi. Ah, il y a une Dragon Ball. Par là. Non mais... Oh putain. Oh plus un combat forcé. Mais j'aime pas. J'aime pas putain. Non, non. Des combats forcés franchement mec. Attends, attends, attends. Je peux voir un... Ah non. Un mec tout à fait normal. Bon on va fuir. Comme je vous l'ai dit, là, je me consacre que sur du Dragon Ball, quoi. Que sur la chasse au Dragon Ball. Putain, 11%, je me suis fait chier à perdre du temps. Ah non, j'ai dépassé. C'est peut-être beaucoup plus bas, alors. Ah, c'est bon, j'ai vu. Vas-y, tranquille, 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 tranquille. Mais... Mais non, c'est juste devant toi, con, voilà. Putain, 10%. Mais putain, mais quand il faut bouger, il veut pas bouger. Mon bouton R, il déconne trop, là. Bon, ben, allons voir du côté de la... Du... Alors oui, là, c'est la planète de Beerus. Y'a quoi, là? Allons voir du côté de la maison de Bou.
Bon bah écoutez les gens, on va changer. Bon bah les gens, écoutez, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je suis à 7% de batterie là. Je vous rassure, je ferai la suite de la vidéo, mais pas maintenant parce que j'ai déjà bien d'autres vidéos que j'ai prévues à l'avance. Donc en tout cas, je vous dis à toi à la prochaine dans ce prochain épisode de ce tout nouveau Let's Play sur la chasse au Dragon Ball. Et puis, bye. Je vous laisse avec cette petite musique.